Assia, félicitations pour ta victoire. Tu viens tout juste de sortir, on te sent très émue. Quelles sont tes premières impressions? Ben, je suis très contente du combat que j'ai fait. J'ai appliqué tout le game plan. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente et je suis émue parce que bah, j'ai perdu mon dernier combat, donc c'est un peu une revanche, quoi. Justement, tu me dis que tu as appliqué le game plan. La dernière fois, c'était ce que tu n'avais pas fait, tu dis. Est-ce que c'est ce qui t'a porté préjudice, justement? Ouais, ça m'a porté préjudice et je pense que c'était trop tôt de prendre une adversaire comme ça. Je suis jeune, j'ai besoin de prendre mes marques, de monter les étapes tranquilles. Donc voilà, je pense que là, c'était très bien comme ça. D'ailleurs, cette fois-ci, est-ce que tu peux justement nous éclairer sur ta stratégie? Alors, ma stratégie, bah, c'était beaucoup de gestion de distance, ce que je n'avais pas fait lors de mon dernier combat. Beaucoup de gestion de distance et voilà quoi, si on fait beaucoup de... Je perds mes mots. On fait beaucoup de déplacements, on la laisse pas s'approcher et voilà quoi. D'ailleurs justement, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu as pu gérer en fait cette première défaite? Alors, j'ai déjà connu la défaite en Muay Thai. Donc c'est, comme je le dis, c'est pas une défaite, c'est pas quelque chose qui m'est inconnu. Donc comme je dis aussi tout le temps, on tombe, on se relève, on avance, ça fait partie de ma vie. J'ai des problèmes personnels. Je tombe, je relève, je me relève et j'avance. C'est une devise, c'est ma devise. Et donc ce soir, il y avait toute ta famille, il y avait tes cornerman aussi qui étaient là. Est-ce que tu aimerais leur faire passer un mot? Franchement, Boulox, Adèle, Abou, Facel et Anna, tous ceux qui ont fait ma prépa, franchement, je les aime trop. Mes parents, pareil, ma famille, pareil. Et toute ma team, la même factory, c'est juste incroyable. Est-ce que tu peux nous dire maintenant quelle est la suite? La suite, c'est un combat le plus rapidement possible. J'espère soit septembre, soit octobre, mais septembre, ça devrait être bon. Merci beaucoup, Assia. Merci à toi. Oh, fucking call me for you!